là, ça va faire, là. Ça fait une heure que votre bébé broille. Pouvez-vous au moins essayer de le calmer au lieu de l'ignorer? Ben, vous êtes dans ben égaïste, monsieur. Aïe, ah, boomer. Charles-Étienne est un être humain qui a le droit de s'exprimer, OK? Ben, justement, ton bébé essaie de te communiquer quelque chose, mon petit sans-génie. Moi, là, quand j'étais bébé et je pleurais, ma mère, elle m'enveloppait dans ma doudou bien serrée comme un petit burrito, là. Ça marchait tout le temps. Ah, je suis désolé, boomer, là, mais nous autres, on considère pas Charles-Étienne comme un petit burrito. Mon enfant ressemble pas à un petit burrito, franchement. Mais qu'est-ce que tu racontes, là? J'ai jamais dit que votre enfant ressemblait à un burrito, là. Je parlais de moi, là. Bon, mais qu'est-ce qui se passe ici, là? Ces deux bozos refusent de s'occuper de leur bébé qui braille, puis moi, ben, je suis en train de virer fou, là. C'est même pas vrai. C'est probablement lui, avec sa mauvaise vibe, là, qui fait pleurer Charles-Étienne. Puis en plus, il a traité mon enfant de petit burrito. Mais j'ai pas traité ton enfant de petit burrito, épaisse, là. Je parlais de moi, là. C'est moi, le petit burrito. OK. On se calme. En tant que commandant du vol DC-130, il est de mon devoir de m'assurer que tous mes passagers soient confortables, que vous ressembliez à un petit burrito ou non. Yes! Yes! Selon moi, votre enfant a probablement mal aux oreilles à cause de la pressurisation de l'appareil. Donnez-lui le biberon, le simple fait d'avaler devrait régler le problème. J'en ai pas de biberon, moi, j'allaite naturellement, t'sais. Ben vas-y, allaite-le, qu'est-ce que t'attends? Ben, j'ai les nipples irrités, là, mes nipples ont besoin d'un break. Bon, la madame a les nipples irrités. Ah, je comprends, tu veux voir les boules à ma blonde, toi. Oh, cochon! Commandant, avez-vous un autre siège de libre, là, ou un parachute, hein, un ou l'autre? Moi, je vais être bien content. On a effectivement un autre siège de libre dans le fond, mais... Je le prends, il n'y a pas de mais, je le prends tout de suite, direct là. Si je reste à côté des deux bozos, je vous jure que je vais péter ma coche. Ça rentre-tu dans ta tête, ça? Excusez. C'est parce que je viens de manger un gros burrito, puis je pense que je le digère pas bien. Je pense que je vais m'en commander un deuxième. Ça devrait me rebalancer les intestins.